Début d'année 2012 chaotique pour les Peaux-Rouges d'Évry en Division 2. Les hockeyeurs évriens ne parviennent pas à trouver leur rythme de croisière en championnat afin de préparer au mieux la fin de saison. L'objectif à très court terme des Essonniens sera d'être fin prêt pour la réception des Français volants à domicile samedi prochain, les leaders du championnat. Un match difficile qui doit servir de répétition générale avant le début des playoffs une semaine plus tard. On démarre l'année plutôt moyennement. On avait bien terminé par une magnifique victoire contre les Français volants juste avant les fêtes. Et là, on est dans une période un peu moins bien. Bon, maintenant, on ne va pas non plus dramatiser. On est quand même 3e ex-aequo, 4e. Donc on est toujours bien placé. On est surtout dans notre tête, en phase de préparation pour les playoffs. C'est notre objectif d'arriver vraiment au taquet pour les playoffs. Tout est possible au moment des playoffs. Et on essaye de préparer une dynamique pour arriver vraiment prêt début mars pour les playoffs. Étrier l'an passé par Lyon en play-off, les Peaux-Rouges d'Évry ont retenu la leçon cette saison et envisagent d'atteindre les demi-finales du championnat, voire mieux. Une ambition réfléchie au regard de l'ensemble des équipes de Division 2. Depuis le début de saison, notre objectif c'est les demi-finales. On sait que ça va être difficile, on sait que toutes les équipes sont ambitieuses et va falloir aller le chercher. Donc voilà, il faudra être prêt physiquement, mais être prêt dans les têtes aussi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Les Peaux-Rouges d'Évry pourront s'appuyer sur l'expérience de nombreux joueurs aguerris, habitués du haut niveau. Une expérience qui pourrait faire la différence lors des matchs couperets à élimination directe, qui seront bientôt le quotidien du club évrien.